Jacques Testard, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette table ronde futurible. Quelles sont exactement les dérives vis-à-vis desquelles vous voulez nous alerter ? Alors, il y a les dérives qu'on voit sur la place publique depuis 2 ans à peu près, qui ne me paraissent pas les plus importantes, mais enfin, il faut quand même donner des réponses. C'est le problème d'utiliser ces techniques-là qui ont été inventées pour des couples stériles, de les utiliser pour des gens pas stériles, pour des couples homosexuels, bref, pour des gens qui normalement ne relèvent pas de la biomédecine. Donc c'est quand même une dérive. Mais pour moi, la dérive la plus importante, celle que je rabâche depuis 20 ans, 30 ans, depuis l'œuvre transparent en 1986, c'est le tri de l'humanité qui va se faire au niveau des éprouvettes. Et ça, c'est quelque chose... j'ai déjà écrit pas mal de bouquins là-dessus, alors... Pourquoi en refaire un ? Parce que chaque fois je me dis c'est pas possible qu'on n'en parle pas. Donc j'en remets un peu en actualisant les développements techniques, ce qui se passe à l'étranger beaucoup, et j'essaie de tirer la sonnette d'alarme, mais c'est vrai sans grand succès jusque-là. Mais d'une certaine manière, c'est parce que les progrès de la médecine suscitent des espoirs qui aujourd'hui sont inconsidérés. Oui, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça, et puis il y a... Je crois que ça, ces technologies de tri de l'humanité dans l'œuf, ça relève du transhumanisme. Et on peut observer que le transhumanisme est en marche de façon inéluctable, quoi qu'on en pense. Moi, j'en pense beaucoup de mal, mais ça ne changera rien. L'homme augmenté. L'homme augmenté, que soit les gens ne savent pas ou bien s'en foutent, soit les gens sont carrément en attente de vivre plus longtemps, qu'on leur greffe une électrode là, qu'on leur mette... Bon. Beaucoup d'illusions, avec certainement quelques résultats spectaculaires, et je pense qu'on n'arrêtera pas la marche de ce truc-là. Donc le tri des embryons dont je parle, ça fait partie de la même idéologie. Au-delà de l'homme augmenté, ce que vous dénoncez, c'est l'idée d'un homme idéal, d'une espèce de prototype qu'on pourrait dupliquer indéfiniment. Éventuellement, parce que c'est vrai qu'on va... On doit pouvoir améliorer l'espèce humaine, dans le sens, mais qu'est-ce que c'est qu'améliorer l'espèce humaine? On ne peut pas définir, même les transhumanistes américains, quand ils parlent de changer l'espèce humaine, ils parlent d'apporter des gènes, mais ils n'ont jamais dit lesquels. Et ils n'envisagent pas des choses aussi simples que celles qui me paraissaient évidentes qu'on va faire, qui est simplement de faire produire une quantité énorme d'embryons par des couples, tous ces embryons sont différents, et de choisir le mieux, et de faire ça à chaque génération. Et là, effectivement, on modifie l'humanité. Là, on n'est pas plus loin que ce qu'on a vu fleurir depuis maintenant pas mal de temps, comme les banques de sperme et autre chose du genre. Ah bah oui, le banque de sperme, c'est l'enfantillage. Mais enfin, c'est le début, à mon avis. C'est le début. Je parle beaucoup des banques de sperme depuis longtemps, parce que je crois que les banques de sperme, en particulier avec l'éthique à la française des sécos, est à l'origine de ce que j'appelle l'eugénisme mou, bienveillant, démocratique. C'est-à-dire que quand les médecins ont imposé le secret et l'anonymat du donneur, ils se sont trouvés responsables de la qualité de l'enfant qui va en naître. Et à partir de là, ils sont dans l'obligation de choisir un donneur de qualité. Donc ils ont réinventé un eugénisme qui n'a rien à voir avec les drames qu'on a connus, mais qui relève quand même de l'eugénisme et qui, à mon avis, ils ont posé là les prémices du tri de l'embryon. C'est un eugénisme beaucoup plus sournois, donc beaucoup plus dangereux à certains égards. Oui, bien sûr, il est acceptable. Et sans qu'il soit demandé ni par la société, ni par les patients d'ailleurs. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Mais simplement parce que les médecins responsables ne peuvent pas faire autrement. La seule façon, c'est qu'il n'y ait plus d'anonymat, je crois. Oui, les patients ont quand même une forte envie d'avoir un enfant qui est exempt de tel ou tel handicap, de tel ou tel tare. Oui, bah, tous les gens, même ceux qui ne sont pas patients. Mais ça devient possible, effectivement, quand on passe par la case patient. Et c'est pourquoi je crois que tous les gens vont finir par passer par la case patient, à condition que ce soit efficace, que ce soit pas cher, que ce soit pas traumatisant, et tout ça va arriver.